Coucou. Allez-vous mes chers abonnés, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le girls group coréen G-Idle. Alors, je n'ai pas su m'empêcher de voir leur teaser parce que c'est vraiment un groupe que je porte dans mon cœur depuis leur début. Je les suis et franchement, j'adore tout ce qu'elles font, leur présence, etc. Et quand je voyais ces teasers, je me dis, oh, ils font un peu dans le traditionnel, mais en même temps caliente, etc. Ça a l'air encore d'être une tuerie. Et c'est parti, je vais découvrir ceci maintenant. Oh, ça me fait penser un petit peu à une vidéo de Teen Culture, là. C'est ce qu'on entendait comme son dans le teaser. Hein. Oh, ils sont classe. Waouh, waouh, waouh. Oh, la nouvelle coupe. Magnifique. Waouh, sa tenue est belle. Oh, mais le make-up. Ouais. J'adore qu'ils ont gardé ce côté traditionnel coréen, mais en même temps très moderne. C'est très très joli à voir. Oh, ça lui va très bien, cette couleur, cette coupe. C'est très joli avec ces pétales de neige. Ce flocon de neige plutôt. Mmh. Oh, j'adore. Oh, les lentilles. Oh, la chorégraphie superbe! Wow. Oh, ce nid, c'est magnifique! Cette couleur lui va très bien. Elle aussi, c'est court, mais ça lui va superbement bien. On voit que c'est fait dans un studio, mais c'est très très joli. Oh, le make-up aussi. Comeback parfait, hein. J'ai rien à dire, franchement. Cet aspect floral qui est magnifique, c'est une lanterne un peu toute déchirée comme ça. Oh, ça c'était très très beau. Oh, ça c'est très glamour, ta qualité. Oh, c'est un peu égyptien, waouh. Waouh, j'ai vraiment pas vu venir que ça allait se terminer comme ça. Franchement, tout le long du MV, j'ai été subjuguée par chaque plan, que ce soit au niveau membres ou même le groupe. Toutes leurs tenues sont magnifiques, le make-up, waouh, waouh, waouh. Donc bravo aux stylistes et aux maquilleuses, rien à dire. Tous les plans des caméramans, j'ai adoré. On dirait qu'ils ont essayé plusieurs thèmes, culture, donc leur culture coréenne à la... époque Joseon, mais avec ce côté moderne que j'apprécie beaucoup, vers la fin un peu plus égyptienne, en même temps un petit peu dans leur pas de danse également, et un petit peu un côté latino je trouve, mais ça matchait vraiment bien. J'ai adoré la chanson, leur présence, waouh, pour moi franchement c'est un retour
parfait, il n'y a rien à redire. Personnellement, j'ai adoré. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié le retour, que ce soit leur MV, toutes ces couleurs et leurs chansons. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Au revoir, bye bye, c'est Menara. Oh,